Voilà, donc on va commencer les filles, Selena et Audrey, pas trop stressées, ça va? Non, ça va. Ça va? Ok. Bon, ben on va parler donc du film de Thomas Salvador, qui est un premier long métrage. Vincent n'a pas d'écailles, ben on vous écoute tout de suite. Donc on a été voir le film Vincent n'a pas d'écailles dans le cadre du projet Renoir, donc avec la classe de seconde 6 d'Aliendé. Et on était surpris d'abord par le titre. Avant de voir le film, le titre était plutôt pas très commun. Et le film en lui-même, je pense, nous a tous un peu surpris, puisque en fait, c'est l'histoire d'un super-héros français. Et c'est donc un film qui réussit à se détacher de la culture américaine cinématographique qui a souvent le monopole pour ce genre de film. Ce film nous a raconté l'histoire de Vincent, qui est un homme plutôt à l'apparence banale et qui cache un immense secret dont il est le seul à connaître et dont, du moins, on va le découvrir à travers le film. En fait, au contact de l'eau, ses capacités physiques deviennent surhumaines. C'est le schéma typique du héros qui trompe son entourage à propos du véritable identité. En fait, l'histoire se concentre majoritairement sur son quotidien et, par exemple, on va jamais savoir quelles sont les origines de son pouvoir. Et une autre partie du film qui est un petit peu moins longue se concentre sur sa fuite lorsque son entourage justement découvre son pouvoir et la plupart des scènes d'action se concentrent sur cette partie en fait. Ce fut Audrey, juste rapproche-toi un peu plus du micro. Voilà, merci. le premier long métrage de Thomas Salvador. Il a réalisé une douzaine de courts-métrages ces dernières années et le réalisateur Thomas Salvador joue lui-même l'acteur principal, donc qui est Vincent. Le plus impressionnant doit être le fait qu'il n'y a pratiquement pas d'effets spéciaux numériques et tout est fait manuellement et l'acteur réalise lui-même ses cascades. Ce fut pour moi le décor du film qui est très bien. Il est, je trouve, assez original, car ce n'est pas dans n'importe quel film qu'on peut admirer des paysages aussi beaux, en plus français et à la fin canadien. C'est vrai, je suis d'accord au niveau des paysages, même des couleurs et des lumières. Il y avait un visuel qui était assez impressionnant et je me doutais pas du tout qu'on avait ce type de paysage en France. Et puis je pense que c'était très très bien filmé parce qu'il y avait vraiment des lumières, un jeu de lumière et de couleurs qui était recherché, je pense. Mais c'était très impressionnant à regarder, c'était très beau. Oui, je suis complètement d'accord. De même avec tout ce qui est sonore. Je suis d'accord aussi avec la critique de Nicolas Bardot pour dire qu'au début du film, je trouve que l'atmosphère est assez muette et plutôt intrigante pour le spectateur. Mais c'est malgré tout réussi car cela nous permet de voir la réalité sans musique ni artifice. D'autres sons sont présents comme le bruit de l'eau ou le chant des oiseaux ou le son des respirations ou encore des objets, et cela permet au spectateur de s'évader quelques instants tout en préservant un certain réalisme. Et le peu de dialogue ainsi permet d'entrer dans la peau du personnage Vincent. On comprend tout à fait son point de vue qui nous explique. Et Nicolas Bardot, critique, non? Quelle Oui. revue? Dans quelle revue? Ben, oui, Marie-Christine, tu peux parler si tu veux. Les Inrocs, non? Les Inrocs, non? D'accord. Je sais. Non, Non, c'est bah, juste pour savoir. nous rechercherons nos sources Halluciné, pour la prochaine c'est émission. ça? Non, Nicolas. non, 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 non. non, mais non, parce qu'ils mettent parfois des. Mais non, non, mais les Inrocs, oui, d'accord, ok. Non, mais si c'est Je peut-être crois Nicolas. même pas. Je demandais juste, c'est tout. Ce n'est pas une question piège, vous inquiétez pas. Je crois que c'était à Selena. Bon, bref, je me tais. Oui, bah, au niveau des dialogues, le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup et qu'on comprenne tout ce qui se passe,
c'était très intéressant, je trouvais, mais pour ma part, j'adore les musiques de films et j'étais un peu déçue à ce niveau-là parce qu'il n'y en avait qu'au début et à la fin, je crois. Et parfois, il était vide parce que je me concentre beaucoup justement sur ces musiques et il se passait rien dans la scène et il n'y avait pas de musique pour m'occuper dans le fond, donc j'étais un peu déçue à ce niveau-là. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont trouvé que les scènes où Vincent nage dans le lac étaient un peu trop répétitives. Pourtant, moi personnellement, j'ai apprécié ces moments où le héros nage dans le lac, car pour moi, c'était un moment où il nous partageait son don. Il nous livre en quelque sorte son secret, et quand il traverse la mer, le spectateur partage avec lui sa liberté. Oui, toutes les scènes de nage étaient vraiment très impressionnantes, surtout celle de la traversée de la mer. Et le plus impressionnant, c'est d'apprendre par la suite, parce que je ne savais pas quand j'ai regardé le film, qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux numériques et que tout était fait par l'acteur. Non, il y a quelqu'un qui appelle en ligne, Samuel s'en occupe, t'inquiète pas. Et c'est vrai qu'au niveau du rythme, beaucoup de camarades de classe l'ont trouvé long, avec des plans répétitifs, des scènes répétitives, parce que Vincent nage beaucoup parce qu'il est dans son élément dans le film. Et j'ai pu parler avec d'autres personnes qui, elles, sont adultes, donc qui peut-être ont, je ne sais pas, plus de recul. Et c'était justement... ce rythme très lent qu'elles avaient aimé, c'était le fait d'avoir un héros avec des pouvoirs qui prenait son temps et qui contrastait vraiment avec les super-héros américains qui ont toujours quelque chose à faire ou quelque chose à sauver comme les Spider-Man ou les Superman. Donc ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, à ce niveau, on ne sait pas exactement si le réalisateur souhaitait faire une critique ou un hommage du genre à la française, parce que son film est le contraire exact des films américains. Et ce n'est pas du film à grand spectacle. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans le film, en fait. J'ai pas aimé tout le film, mais c'est quelque chose qu'on a, en France, par les réalisateurs français, qu'on n'avait jamais vu. C'est un scénario simple. C'est la vie normale d'un homme français qui a des super pouvoirs. Et... on se dit que ça a sûrement déjà été fait. Et pourtant, effectivement, c'est quelque chose qu'on a jamais vu. Ça n'a jamais été réalisé de cette manière. C'est vraiment très à la française, je trouve. Des fois, c'est un peu lent. Les dialogues, tout ça... je trouvais que ça faisait très français. Il y en a peu de dialogues. Hein. Oui, il y en a peu, mais le peu de dialogues, je trouvais que ça faisait un peu comme ça. Et puis, je pense que... Je comprends pourquoi ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y a eu quand même l'initiative de la part du réalisateur de faire ça. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas déplorer, en fait. C'est quelque chose que tout le monde doit reconnaître, c'est qu'il a eu l'idée de le faire. Et c'est pour ça que c'est un des points que j'ai vraiment aimé dans le film. D'accord. Et nous, je sais que il me semble que Chloé était plutôt d'accord avec moi, c'est qu'on trouvait le film peut-être un peu longué, alors qu'il est court, il fait 1h18, ouais. Mais on le trouvait un peu longué. Mais en général, de toute façon, on s'y retrouve dans ce que vous dites. Ressort, hein. Nous, quand on l'avait vu, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de réalisme, et nous, ce qui nous avait plu, justement, c'était le décalage, effectivement, entre, on parle de super-héros, et nous, ce qui nous avait plu, c'est le traitement hyper réaliste en fait de ça. Effectivement, il n'y a pas d'effets spéciaux grandioses, bon, ça joue sur le son quand il est dans l'eau, mais c'est vrai que on avait aimé ce côté très réaliste et le fait effectivement que quand vous dites c'est un film à la française, on avait aimé le fait justement que ce soit un super héros mais qu'il en fasse rien de ses pouvoirs. Voilà. Il est fort quand il est dans l'eau, mais en même temps
ça non, lui sert à rien. Oui, ça lui sert un tout petit peu au moment dans un dans une scène, mais, bon, dans sa vie avant d'être pris en faute et de partir en cavale, c'est vrai que en fait il trouve sa plénitude quand il est dans l'eau. Et puis c'est vrai que c'est contrairement aux super héros des films américains qui font le bien pour lutter contre le mal, lui il s'en sert pas. Ça lui sert à rien à part à être bien. Et donc c'est par la force des choses qu'il va devoir s'en servir de ce super pouvoir. Mais même là, bon, on n'est pas dans quelque chose de très très voilà. Donc je trouve que ça se rejoint quand même assez dans ce que nous on avait pensé. C'est vrai que c'est un petit peu longué parfois. Ouais, la fin est quand même longuette. On sent que comment je finis, je ne sais pas trop. Ça aurait pu tenir sur un moyen métrage ou court métrage. Oui, parce que c'était un court métrage à la base et puis il en a fait un long. Donc bon, c'est souvent l'écueil de ce genre de transformation là. Mais c'est vrai que c'est ce qui nous avait plu, c'est la non-finalité de ses pouvoirs. C'est-à-dire, j'ai un super pouvoir, mais de toute façon, j'en fais rien. Parce qu'en même temps, et on avait relevé que c'était marqué dans le titre, Vincent n'a pas d'écailles. Vincent, il aime bien l'eau, il s'éclate quand il est dans l'eau, mais c'est pas un super héros. C'est juste qu'il a ça et il en fait rien. Et c'est tout. Et voilà, c'est ça qu'on avait trouvé drôle. Alors bon, c'est vrai que ça tient pas toujours sur la longueur, quoi. Mais L'effet était sympa. Et tu parlais qu'il n'y avait pas de musique tout à l'heure. Et par contre, il y a un petit clin d'œil sympa quand même à la fin. Je ne sais pas si vous avez retenu le nom de la musique du générique de fin, qui s'appelle Fantastic Man. Voilà, donc c'est un contre-pied. Et puis c'est une musique assez... je ne sais pas, faudra demander à Jackie s'il a retrouvé. Mais ça faisait un contre-pied un peu... C'était un peu funky, un peu voilà. Alors que bon, Vincent, il est un petit peu... c'est un grand gars tout dégingondé, un peu mou du genou quand même. Hein, et voilà, et derrière, on nous met Fantastic Man une fois qu'il a traversé la mer. Là, et donc c'était un petit clin d'œil sympa, quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'au moins pour le... On avait apprécié, nous, pour le... Ouais. Il y avait, et puis c'était contemplatif. Pour la proposition, quoi. C'est vrai qu'on peut aimer la contemplation au cinéma français. Ouais. Et pourtant, ne pas aimer le cinéma français actuel. Mais voilà. C'est et puis bien cadré, bien filmé. Ouais, il y avait une belle photo. Bien joué. Une belle photo, ouais. On avait parlé aussi beaucoup du. Alors, vous, je sais pas si ça vous. Personnage féminin, on n'avait pas trop parlé, nous, mais. Non, c'est vrai que bizarrement, on n'en a pas parlé. J'en ai pas parlé. Alors moi j'en parle. Vas-y. Mais... J'ai trouvé que c'était un traitement pour le coup aussi très original et complètement à contre-pied. C'est par elle qui fait la révélation du. Enfin, il y a la scène où il lui fait la révélation et elle a une réaction qui est exactement celle qu'on n'attend pas, c'est-à-dire que elle va jouer avec ça sans lui demander d'explication. Donc c'est elle qui évacue tout le côté psychologique qu'on pourrait attendre et elle va être dans la sensation. De toute façon, c'est un film extrêmement sensuel hein, où on travaille, vous l'avez dit, hein, sur les sons, et même sur le partage de cette sensation. Vous l'avez dit, Audrey, tout à l'heure hein, quand il nage, il y a un moment donné où on nage avec lui, enfin le film cherche à nous faire partager cette sensation et ça, c'est parfaitement réussi. Enfin, à mon sens en tout cas. Justement, on avait parlé de ça, nous, en termes de sensations, par le corps. Le corps aussi, oui, voilà. Le corps qui est très important. Lui qui est très grand, mince. Voilà, on disait dégingandé un peu tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais on parle de quelque chose de très keatonien, quoi, de Buster Keaton, qui était qui jouait dans le muet, quoi. Et à chaque fois qu'il y a un espèce de rapport au corps un peu comme ça, on parle de Keaton. Et là, c'est vrai qu'on y pense. On y pense forcément. Le traitement burlesque là, pour... Oui, voilà, il y a tout un non seulement il y a ce travail sur le corps, mais il y a un côté un peu burlesque parfois de certaines situations. Et effectivement, on avait relevé ça, qui était bien sympa, quoi. Mais moi je trouve que la réaction, là je reviens sur ce qu'a dit Marie-Christine, la réaction de la copine est très juste pour moi. Il est juste, c'est qu'on se dit, mais si quelqu'un te montre ça, tu peux le refaire, ouais. C'est drôle, allez. Et elle participe aussi à ce jeu sur le corps, parce qu'il y a une très belle scène, alors qu'il les a un peu étonnés hein, de caresses. Hein. C'était extrêmement joli, c'était très bien fait. Voilà, c'est ça. Et c'est très bien rendu, et ça montre bien qu'il y a une relation extrêmement fusionnelle et sensuelle entre les deux personnes. On avait travaillé avec les élèves sur comment le film nous montre l'amour. Et c'était vraiment intéressant, sans parole, sans déclaration, mais il y a vraiment ici, hein, vous vous rappelez l'idée que il y a quelque chose qui se construit. Non, elle ne se rappelle pas, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Oui, par contre, vous avez vu le petit clin d'œil au vrai film de super-héros, alors par contre. J'en avais
Il y en a un qui est super évident et logiquement tout le monde l'a vu. Même moi qui suis. Il y en avait un dans. Même dans moi qui suis nul. Voilà. Oui, voilà. Ah oui. Moi qui suis nul en super héros, je l'ai repéré. Donc c'est dire. Voilà. Ils sont en train de regarder Amazing Spider-Man. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'autre trilogie et pas dans cette trilogie-là. Ça, c'est une autre génération. Voilà. Oui, mais on en avait parlé parce que certains élèves l'avaient vu, ça. Si, oui. Pourtant, oui, la scène est culte. Donc c'est vrai que tout le monde la connaît même si on n'a pas vu le film. Oui, parce qu'elle n'a pas vu le film. Mais non. Moi, je ne vais pas voir ce genre de film-là. Non, mais les Spider-Man de Sam Raimi, il faut les voir. Ah oui, je suis d'accord. 1 et 2, le 3 peut s'éviter, mais le 1 et 2, et le 2 surtout, le 2 est top. Ouais. Mais écoute, les filles, regardez les Spider-Man, pas les Amazing Spider-Man. Non, j'ai pas vu le 2, moi, mais. T'as vu le 2, toi? Non, même pas, tu vois, tu m'as un peu. Amazing, oui, les Amazing, ils sont horribles. Le premier, il est horrible. Enfin, bon, c'est mon avis. Mais. Voilà, je sais pas si les filles, elles ont peut-être aimé les Amazing Spider-Man. Tu me prêteras les DVD, hein? Mais j'ai pas en DVD. Voilà. Ah ouais, bah voilà, tu me prêteras les DVD alors. Et vous, les filles, sur le personnage féminin, comment vous l'avez vu? Comment vous l'avez ressenti, justement? Pour moi, comme dirait Madame Lotte, c'était un peu. Il partageait. C'était comme. Elle, lui, en femme, je sais pas, c'était très. Dédoublement? Oui, voilà. Ouais, moi, il m'a pas beaucoup marqué ce personnage. Après, sa réaction par rapport au pouvoir de son petit ami, bon, elle était effectivement réaliste. Je la trouvais assez marrante, d'ailleurs. Dans le cinéma, ça riait pas mal, je pense. Mais après, elle m'a pas beaucoup marqué parce qu'elle fait pas grand chose et je trouve qu'elle a pas une place assez importante. Et est-ce que elle aurait pu avoir plus d'importance dans le film? Je sais pas, mais. C'est pas ça que j'ai retenu du film. Justement, dans les films de super-héros, on reproche souvent en fait au personnage féminin d'être un faire-valoir, donc d'être juste là pour entre guillemets le décor. Ou est-ce que vous avez un peu ressenti ça en fait? Elle avait vraiment une importance parce que vous parlez un petit peu de la relation, un petit peu la manière dont elle découvre les pouvoirs et la façon un petit peu surprenante dont elle le gère. Et donc entre ce côté-là et une sorte d'intimité que tu avais l'air de sous-entendre, est-ce que tu considères que le personnage féminin finalement ne sert à rien ou il a vraiment quand même une importance dans l'histoire? Elle avait pas un rôle de faire valoir, par contre. Par rapport aux films américains qu'on a pu voir, à ce niveau-là, c'était mieux géré. D'inutilité, elle était un petit peu inutile dans le sens où c'était pas son histoire et en même temps, il y avait pas beaucoup d'actions qui lui étaient vraiment consacrées. Ça donnait une histoire d'amour, mais après, est-ce qu'elle l'aidait vraiment C'est vrai que je suis plutôt d'accord avec Selena dans le sens que c'est vrai que si tu l'enlèves, en fait, yes, ça apporte pas énormément de choses au film, en fait. Tu te rends compte que c'est pas... Ça apporte des nœuds scénaristiques dans le sens que, voilà, ce personnage-là, s'il l'aurait pas connu à un moment donné dans le film, si elle était pas là, il pourrait pas, mais au final, elle est plus un élément scénaristique qu'un vrai personnage développé, en fait. Elle permet de construire le personnage masculin, parce que c'est avec elle qu'il y a un échange, donc c'est par l'interaction qu'ils ont que le personnage prend de l'épaisseur. Puis elle l'humanise un peu, quand même. Ah, moi, je trouve qu'il s'humanise tout seul, en fait, à un moment donné, je trouve. Mais je sais pas. Mais quelque part, c'est un peu la définition du faire valoir. C'est-à-dire que si le personnage ne sert qu'à construire le personnage masculin et qu'en elle-même, en fait, elle n'a pas, on va dire, de caractérisation. Il a envie de rester. Si, quand même, parce que s'il fuit, etc. Enfin, je trouve que ça donne du sens à toutes les actions qu'il va faire à un moment donné. En tout cas, ça donne du poids par rapport à la relation. Il tient à ce qu'elle le suive, etc. Est-ce qu'il aurait mis autant d'énergie à se sauver lui-même s'il n'avait pas... Parce qu'il arrive, il a un certain âge. Enfin, je sais pas. Bon, c'est peut-être mon interprétation, je sais pas. En tout cas, elle contribue à... Elle contribue à faire avancer l'histoire. À faire avancer l'histoire, ouais. Ouais. Et puis, elle est bien dans le contrepoint traditionnel du personnage, parce qu'il ne va pas du tout la sauver, c'est plutôt même elle qui va la sauver, etc. Donc, c'est contrepoint, disons. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Est-ce que ça vous a donné envie de voir d'autres films français? Ça dépend lesquels. Ah, voilà. Ok, bon, et je crois que le Lisa Liendé reviendra avec, alors pas un film français, pourtant c'est un titre à la Christophe Honoré. Je sais pas, je te dis ça, mais j'ai Spartacus pas... Spartacus et Cassandra, c'est ça? C'est ça ton prochain film du Lisa Liendé? Oui, c'est ça notre prochain film, c'est jeudi. Chloé, qu'est-ce que c'est comme film? Je sais même pas si elle le connaît. Idée.
J'ai même pas cherché moi sur internet, tiens, on aurait pu. Mais non, pardon, je n'ai absolument aucune idée. Je crois qu'il a été programmé au Luxe il y a quelques semaines. Mais il me semble, ouais, déjà l'avoir vu quelque part. Oui, mais... oui, bien sûr, c'est fini. Voilà, donc, et donc au Café des Images, il passe que pour vous. Donc, que pour nous. Voilà, ouais. Donc ça, en fait, bah, vous serez les seuls à pouvoir en parler. Voilà. On vous laissera les micros en solo. Voilà, bon, mais merci les filles, merci Audrey, merci Selena, je pense bien, merci Marie-Christine. Merci à vous. À la prochaine. et puis peut-être qui c'est que ça sera, tu sais, t'as une idée de qui vont être les prochaines élèves? C'est souvent on a des filles, on n'a eu qu'un gars depuis le début. Bah oui, moi j'ai une classe où il y a beaucoup de filles, hein, donc voilà, il y a eu Kelly en fait. Il y a que Ellie, oui. Ouais, merci à lui. Et les autres ils font du foot, on leur dit bon entraînement, hein. Donc non, je ne sais pas, peut-être d'accord. Qu'on aura la chance de revoir des élèves qu'on a déjà eu. D'accord. Bon, ben en tout cas, les filles, si vous voulez revenir, hein, y a pas de souci, la porte est ouverte. Ben nous, on va se mettre une petite musique. Donc, tu nous as choisi le chef-d'œuvre de Tim Burton, Big Eyes. Sans beaucoup d'ironie. Non, mais la musique est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Marie-Christine? Bon, c'est très Danny Elfman. J'ai aucun souvenir de la musique. Ok, donc tu vois, c'est un chef-d'œuvre. Mais voilà, donc on va faire une petite pause musicale et puis après, bon, on a parlé d'un film français. Est-ce qu'on continue sur un film français après ou pas? Est-ce que Clou est envie de parler de A3? On y va après. Bah oui. Allez, après c'est A3, on y va. Cette musique, c'est, si c'est un dommage pour toi. Pourquoi? C'est dommage. Parce que tu aimes le cinéma français, je le sens, le sais. Je l'aime bien, oui. Allez, bon, on revient après 3 minutes, 4 minutes de pause. À tout de suite.